L'Open ISEG, c'est un challenge entrepreneurial qui s'adresse aux 7 campus d'ISEG, mais aussi aux anciens étudiants. Et ce challenge qui permet de remporter des prix afin de développer notre projet par la suite. Alors nous, on a déjà pensé à s'inscrire à l'Open ISEG avant et c'est notre tutrice qui nous a poussé à nous inscrire justement. Et on s'est inscrit parce qu'on voulait vraiment se challenger et voir si notre projet il était viable. Voilà. Le projet, c'est To Take Up. To Take Up, c'est une application dans la lutte contre le gaspillage non alimentaire et plus précisément des cosmétiques. Alors To Take Up permet de rentrer dans un circuit d'économie circulaire avec des produits cosmétiques invendus qui étaient destinés à être jetés. Et ça assure un rôle intermédiaire entre les commerçants et les consommateurs. Et c'est vous, nous, les citoyens, qui irons chercher les produits à prix réduit. Ludivine étant très engagée dans l'écologie et moi ayant une passion pour les cosmétiques, on a voulu faire un projet qui nous ressemble. Et en faisant des recherches, on est tombé sur la loi AGEC qui vote pour la non-destruction des produits non alimentaires. Du coup, les commerçants sont à la recherche d'une solution, c'est pourquoi on a créé To Take Up. Et donc To Take Up, il permet aux commerçants de revendre leurs invendus. Un projet qui demande beaucoup de travail quand même, mais vu qu'on connaissait les attentes du jury, bah, ça nous a beaucoup aidé. Après, on ne vous cache pas qu'on a eu des baisses de motivation, mais à force de persévérance, on a réussi à trouver des solutions et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Bah, qu'il faut qu'ils foncent et qu'ils n'ont rien à perdre. Et c'est toujours une bonne expérience dans l'entrepreneuriat. C'est pas de faire du profit pour faire du profit, mais plutôt d'avoir un impact sociétal. Et du coup, on veut être la référence dans notre gaspillage des produits cosmétiques.